Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul! Donc c'est parti! On va commencer la vidéo avec le set western. On commence avec l'étalon Quarter Horse. Donc franchement je suis fan du cheval. Donc déjà que vous savez que dans la partie 1 je vous ai dit que j'étais fan du moule. Alors là dans cette robe je suis encore plus amoureuse de ce cheval. Et donc voilà, j'ai vraiment rien à dire parce qu'il a aucun défaut pour moi. Donc dans ce set il y a l'équipement. Donc l'équipement, j'ai rien à dire dessus, je le trouve vraiment magnifique. Donc la seule chose par contre c'est que sur la selle, donc ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a pas de pommeau. D'habitude Schlech font des pommeaux sur la selle western, mais là il n'y en a pas, mais après ça donne son charme et j'aime beaucoup. Et ils ont également fourni une sorte de petite corde. Alors franchement je ne sais pas du tout ce que c'est, donc si jamais vous savez n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon je trouve que c'est quand même gentil qu'ils nous l'ont mis, ça peut être assez pratique. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et on finit avec le set avec ce personnage que franchement je trouve magnifique. Alors ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il y a le petit logo Schlech sur son protège dos. Voilà, et également le détail qu'ils ont fait sur la main, c'est trop joli. C'est vraiment magnifique. Et aussi nous avons, enfin ça c'est un petit défaut, j'ai l'impression que son épaule se déboîte. Après je sais pas si vous aussi vous avez l'impression. Voilà, j'aime beaucoup les petites étoiles sur son pantalon. Voilà, j'adore. Et voilà à quoi il ressemble à l'arrière. Et franchement, il est trop joli. Donc on continue donc avec le set des Islandais. Alors je sais plus du tout le nom du paquet, mais je vous le mettrai en bas. Donc le voici. Donc je vais maintenant vous montrer le contenu de la boîte. Donc tout d'abord j'étais très surprise de voir qu'il y avait un livret à l'intérieur. Je ne savais pas du tout, je trouve ça vraiment sympa de la part de Schlech. Donc voilà, hein, c'est le petit livret, je trouve vraiment très chouette. Donc maintenant nous passons aux choses sérieuses. Donc nous avons une petite pomme rouge. Donc ensuite nous avons un stéthoscope. Ensuite, nous avons une bande bleue. Ensuite, nous avons une toute petite seringue. Et pour finir avec les accessoires, nous avons une boîte de secours. Donc maintenant, voici ce qui nous intéresse le plus, et ce sont bien sûr les chevaux. Donc nous commençons avec le poulain islandais, donc qui est un remake. Et je le trouve adorable. En plus, en cette robe, il est toujours aussi mignon. Voilà, c'est un moule que j'apprécie énormément. Donc on termine avec la jument islandaise que je trouve juste magnifique. Vraiment c'est un très très beau moule, hein. Bon après je la trouve peut-être un peu disproportionnée, elle a un gros petit bidou mais elle est très très jolie. Sa coiffure j'apprécie énormément, ça change vraiment des coiffures avec les fleurs, hein, donc c'est très sympa. Également ce grand set. Donc petite précision, ce set est un fake Schlech et il est extrêmement intéressant, donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc nous commençons avec un paquet de barrières, donc dedans il y en a 6 et nous en avons 2. Donc une fois assemblé, cela nous donne ceci. Et donc je vais juste prendre un cheval pour vous montrer à peu près l'échelle. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite nous avons une sorte de petite baignoire où on peut mettre de l'eau ou de la nourriture pour les poneys. Et il est fourni avec du foin. Ensuite, il nous donne avec donc une mangeoire. Donc c'est exactement comme Schlech. Sauf pour les dimensions des attaches. Cela ne rentre pas par exemple sur les portes de boxe. Il nous fournit également un petit abreuvoir. Donc c'est exactement pareil que chez Schlech. À part que la petite attache est beaucoup plus courte et ne passe pas dans les boxes Schlech. Et donc voici le vrai en version Schlech. Et donc pour finir les accessoires, nous avons une pelle. Ensuite, nous avons l'étalon Traknen, donc version fake. Alors, ce cheval, il n'existe pas en cette robe version Schlech. Bon, bien sûr, il existe en exclusif tout en noir, mais pas en cette robe. Alors, la différence avec les Schlech, c'est que lui, il est tout léger et il est assez... il n'est pas plein. Voilà, en fait, il fait du bruit, hein, voilà. Et il a également, du coup, donc, des sortes de trous à l'intérieur. Donc, il est en plastique, mais je sais pas si vous allez voir, voilà.
Et donc du coup, sinon il fait exactement la même taille qu'un vrai Schleich, donc pour comparer avec l'Etterentrakenen. Voilà, et sinon, bah franchement, il est très joli. Voici les équipements. Alors les équipements, c'est top, c'est exactement pareil que Schleich, bon, mis à part que peut-être que ça va se casser plus vite. Sinon, j'adore la bavette qu'il y a à la selle, vraiment, c'est top et j'ai rien à dire. Et voici la cavalière, donc pour moi, vraiment, c'est exactement pareil que Schleich, la qualité, tout parfait. Voilà, elle est vraiment magnifique. Donc on va pouvoir passer à la deuxième jument qui est fournie avec, et donc c'est la jument Tennessee Walker. Donc là, on va pouvoir comparer puisqu'ils nous refait de A à Z. Donc là voici version Schleich. Donc là on peut vraiment voir les différences. Donc là c'est beaucoup plus, il y a moins de détails, c'est plastique, on voit la rainure. Donc Schleich a beaucoup plus de finition, c'est beaucoup plus propre. Mais voilà, ça reste très joli. Donc cette jument a également un équipement fourni avec, donc c'est exactement le même que tout à l'heure. Et donc on va pouvoir maintenant passer au cavalier, donc le voici. Donc le cavalier, ils ont repris aussi la même de chez Schleich, sauf que Schleich c'est une cavalière. Donc on peut voir la différence au niveau du visage, hein, il y a plus de finition chez Schleich. Voilà, donc ils l'ont transformé en garçon tandis que Schleich c'est une fille. Donc on peut aussi voir la différence au niveau de la peinture, mais aussi ils sont plus mous, voilà. Contrairement à Schleich qui sont vraiment rigides. Donc voilà, j'ai changé de plan pour vous montrer le dernier gros article qu'on a à vous présenter. Donc vous inquiétez pas, on vous fera un haul déballage comme pour l'écurie. Donc je vous le mets dans le petit en haut à droite, donc vous avez fait un haul déballage. Donc voilà, maintenant on va passer à la grosse boîte, donc qui est le manège. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera dans la barre d'infos et il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit à bientôt.